எந்த பக்கம் வந்தாலும் நீங்க என் கூடாரம் தீங்கு என்னை அணுகாது. On va prendre le livre de psaume 150. Donc, le livre de psaume 150, verset 6. C'est le dernier verset. On va lire tous ensemble. C'est juste un verset. On va lire tous ensemble. Oui. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Donc, la phrase que je vais prendre aujourd'hui, c'est que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans le mot louer, le mot qui revient, c'est la louange. La louange, c'est ce qui fait partie de nous. Nous qui sommes des créations de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu. La louange, elle est très puissante pour notre âme. C'est quelque chose qui nous connecte automatiquement à Dieu, comme la prière. C'est quelque chose qui est très intime et personnel. On prie tous ensemble, on loue tous ensemble, mais la louange, c'est quelque chose de personnel. C'est pas parce que, par exemple, Sarania va louer à côté de moi que moi, j'aurai quelque chose avec Dieu. Non. Sarania, elle loue, c'est elle et Dieu. Moi, je loue, c'est moi et Dieu. C'est Dieu et moi. Dans ce verset, on constate que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc pour nous, c'est une invitation à louer l'Éternel. Ici, on respire tous, on est tous vivants. Donc on doit tous, notre mission à nous, c'est de louer l'Éternel. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi on doit louer l'Éternel? Je vous pose une question, vous pouvez répondre. Pourquoi est-ce qu'on doit louer l'Éternel? Pourquoi on ne doit pas louer d'autres personnes? Pourquoi on ne doit pas chanter d'autres chansons? Pourquoi on doit louer l'Éternel? C'est une question simple. On a vu au Sunday School. Parce que c'est notre Père. Parce que c'est notre Père. J'attends un mot précis qui veut dire, en fait, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ici, tout ce qui existe, c'est pas moi j'ai créé, c'est pas Sanjay qui a créé, c'est pas Sangeet qui a créé, c'est Dieu qui a créé toutes choses ici présentes. Et nous aussi, c'est pas nos parents qui nous ont créés, c'est Dieu qui nous a créés, principalement. C'est lui, il nous a façonnés à son image, comme on peut voir dans les premiers livres de la Bible. Tout ce qu'il a créé doit le louer. Et pourquoi il doit le louer? Parce qu'on doit montrer que c'est lui notre créateur. D'accord? C'est lui qui nous a créés, donc on doit le remercier de nous avoir créés en le louant. C'est la première mission. Les morts aussi le louent, c'est vrai. Mais dans ce verset, le plus important, c'est que c'est nous les vivants, donc les personnes qui respirent, qui ont une bouche pour parler, qui ont notre corps pour bouger, c'est nous, on doit le louer principalement. Si, est-ce que quelqu'un peut prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 13, s'il vous plaît. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, comme on peut le voir dans ce verset qui nous rajoute quelque chose par rapport au premier verset qu'on a lu, toutes les créations doivent le louer. C'est-à-dire les animaux, les oiseaux, vous aimez quoi comme animaux? Les chiens, les chats, nous, les plantes, tout le monde. Toute création doit louer le Seigneur. Est-ce que vous savez comment on doit louer le Seigneur? Parce que c'est bien beau de louer, mais comment on doit le louer? Quelles sont les choses qui nous sont mises en possession pour qu'on puisse louer le Seigneur? Notre voix. Notre voix. Nos mains, la musique, les instruments de musique. En fait, avec les instruments, nos mains, notre corps, la danse, le chant, c'est comme ça qu'on doit louer le Seigneur. Avec la prière aussi. La prière aussi fait partie de la louange. Le Seigneur, il nous a rachetés. Et pour ça, on va le remercier en le louant. Parce que la louange, c'est quelque chose qui renouvelle nos forces, qui nous donne de la joie, qui nous enlève de tout sentiment de solitude. Parce qu'avec Dieu, on se sent pas seul. Dans la vie, tu peux te sentir seul. Mais avec Dieu, on ne se sent pas seul. Donc c'est quelque chose qui nous enlève les sentiments de solitude, de tristesse, de fardeau, tout ça. La louange, elle nous aide à enlever ça. La louange, c'est pas juste une question d'ambiance. Ouais, la musique, elle est bien, donc on va louer. Non, c'est la sincérité du cœur. La louange, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose que on ne peut pas mentir en venant, ah oui, aujourd'hui j'ai bien loué. Non, c'est dans ton cœur que tu sais si tu as bien loué. Il n'y a que Dieu et toi qui le sauront. Il n'y a personne d'autre. Les gens, ils peuvent voir, ah, je chante fort, ah, j'ai applaudi fort, ah, aujourd'hui c'est moi, j'ai fait la louange, ah, aujourd'hui je fais partie de la chorale. C'est bien, c'est très très bien. Mais
Est-ce que tu as été sincère dans ton cœur? Est-ce qu'avant de venir faire ça, tu as prié le Seigneur? Est-ce que tu chantes en te disant, c'est pour Dieu que je chante, ou est-ce que, ah, maman, elle me regarde, il faut que je chante devant Dieu? Est-ce que c'est ça? Non. On vient chanter parce que c'est pour Dieu. Après, bon, on est des enfants, on est stressé, on est un peu timide, on a la honte. Mais dès qu'on commence, il y a tout qui part. Amen. Dès qu'on arrive, il y a tout qui part. Moi, juste 5 secondes avant, j'étais en train de stresser, en train de me dire, est-ce que c'est pas mieux, je rentre chez moi, et je viens plus jamais. Mais là, dès que je suis arrivée, là, je rajoute même des choses que j'avais pas prévu de parler. Vous voyez? C'est quelque chose qui vient naturellement, parce que c'est Dieu qui va parler à travers toi. Amen. C'est Dieu qui va te choisir, toi, pour parler à d'autres enfants. Parce que nous, en tant que jeunes, on doit parler aux jeunes. Les parents, quand ils parlent aux jeunes, on voit ça comme des ordres, comme une obligation. Alors que quand, par exemple, moi, je viens et je parle, par exemple, à Ilekia, elle verra comme une amitié. C'est une amitié. C'est pas l'ordre d'un papa ou d'une maman qui lui parle. Donc nous, en tant que jeunes, on doit louer et on doit montrer l'exemple en louant et en montrant avec aux autres enfants qui sont devant nous. Donc pour nous, la louange, ça doit être une nouvelle nature, une nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de respirer, tout simplement. Et si on peut résumer tout ça, Dieu, il nous a destinés à célébrer sa gloire, comme dans le verset Éphésiens 1, 12, il est écrit. Si on résume ce verset, Dieu nous a destinés à glorifier son nom, à célébrer sa gloire. Si je devrais conclure ce message, je dirais, on n'a pas besoin d'être de grands chanteurs, de grands musiciens, pour faire la louange, pour louer le Seigneur.